Je suis ingénieur R&D en logiciel embarqué chez Scalog, une boîte de robotique à Nanterre. On vient développer des applications sur des plateformes limitées qu'on retrouve dans les avions, les voitures ou encore les appareils médicaux. On va venir développer justement du code sur des plateformes qui ont des ressources limitées et des contraintes matérielles. Je suis consultante en transformation digitale, je travaille chez TNP Consultants et dans ce cadre, je suis envoyée en mission chez différents acteurs du secteur bancaire sur des thématiques digitales, donc notamment tout ce qui est souscription d'un compte bancaire en ligne, le fait de pouvoir gérer son dossier client directement depuis son espace client ou encore des thématiques autour de la dématérialisation et donc du zéro papier. J'occupe le poste de directeur technique au sein de la société Carnot Computing. On est une start-up qui a créé le premier radiateur ordinateur dont le but est de chauffer des gens grâce à des calculs informatiques. Mon métier aujourd'hui consiste à m'occuper de ce qui est la direction technique de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on fait nos propres produits, donc on a plusieurs équipes qui travaillent sur différents niveaux de nos produits, donc tout ce qui va être embarqué jusqu'à ce qui va être les interfaces web en passant par la plateforme de calcul qu'on met à disposition de nos clients. Donc mon métier, c'est d'assurer la coordination de ces différentes équipes. Je suis ingénieur d'études et développement en intelligence artificielle chez Winamax, plus particulièrement au sein de l'équipe qu'on appelle Poker Data and Tools. C'est une équipe qui va être là pour gérer tout ce qui est données générées par les joueurs de poker sur la plateforme Winamax. Je fais pas mal de tâches différentes au fur et à mesure des semaines, mais ma tâche plus générale, c'est d'essayer d'appliquer l'intelligence artificielle à la détection de fraude sur la partie poker. Je suis ingénieur en recherche et développement en synthèse d'images. Ça consiste à faire de l'innovation au sein d'une entreprise. Ça veut dire lire des papiers scientifiques, se renseigner sur l'état de l'art et mettre ça en œuvre dans le code d'un logiciel développé par l'entreprise. Et l'aspect synthèse d'images, là, c'est travailler sur du rendu 3D ou 2D pour faire des belles images. Vu que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est très vaste et du coup, il y a énormément de choses à savoir, ça fait qu'on va travailler sur beaucoup de tâches différentes. Ça a l'avantage de permettre de travailler sur des tâches variées et donc d'apprendre beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de nouvelles compétences. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est qu'on va venir toucher à autre chose que du code. On va avoir de l'interaction avec du matériel, donc on va faire un peu d'électronique. On va mettre les mains dans le cambouis, puisqu'il va falloir venir monter des choses dans le robot, venir vérifier son état, tester. Et c'est ce qui est le plus intéressant dans le métier. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est qu'il est challengeant d'un point de vue technique, d'un point de vue humain. On est dans une start-up qui fait de l'innovation. Donc c'est tous les jours un métier différent avec des nouveaux challenges techniques à accomplir. Ce qui me plaît le plus dans le métier de consultant, c'est vraiment la diversité des missions, puisqu'on est amené à travailler chez différents acteurs bancaires, par exemple pour ma part, sur des thématiques variées, avec des durées aussi variées, puisqu'il y a des missions courtes en termes de mois, des missions longues en termes d'années. Aussi le fait de pouvoir travailler à l'international, puisqu'au cours de ma carrière, j'ai été amenée par exemple à travailler 2 ans dans les pays nordiques. Ce qui me plaît beaucoup déjà, c'est l'aspect recherche. Donc ça veut dire faire de l'innovation, travailler sur vraiment les dernières technologies qui ont été trouvées. Ça, c'est très stimulant. Et la synthèse d'images, en fait, c'est un domaine qui a un gros aspect scientifique, programmation pure, mais qui demande quand même une certaine fibre artistique. Ça mélange un petit peu ces deux domaines, la technique et l'artistique. Voilà, ça c'est intéressant.